vous allez assister à une cérémonie de remise de médaille d'honneur aux sapeurs-pompiers. Récipiendaire, à niveau de remplacement. Ouvrez le banc. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, vu le décret numéro 2017-1155 du 10 juillet 2017, décerne à M. Jérôme Schaff, caporal-chef de sapeurs-pompiers, une médaille d'argent en récompense de ses bons services et du dévouement qu'il a fait preuve. La remise de médaille est faite par Mme Sylvie Repp, maire de Schopperten. Fermez le banc. Garde à vous. Ouvrez le banc. La préfète de la grande région Est, préfète du Bas-Rhin, décerne à M. Yannick Julie, sergent-chef de sapeurs-pompiers, une médaille d'argent en récompense de ses bons services et du dévouement dont il a fait preuve. Remise de la médaille par M. Aimé Schreiner, maire d'Altuler. Décoré, rejoignez les rangs. Repos. Fermez le banc. En commandement. Garde à vous. Monsieur le député, Madame le maire de Schopperten, Monsieur le maire d'Altwiller, Monsieur le maire de Bicêtre, Monsieur l'adjoint au maire de Harskirchen, chers collègues du conseil municipal, chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis très honorée de représenter Monsieur le maire aujourd'hui pour cette cérémonie. Je tiens aussi à signaler qu'aujourd'hui, un de nos concitoyens, sarre-unionnais, se trouve auprès du président Macron à Paris. Le 14 juillet évoque pour nous tous une nation rassemblée, mais aussi une fête populaire qui fait partie des moments d'unité du peuple français autour de ses valeurs. Cette date du 14 juillet, qui fait partie de notre histoire, parle au cœur de chacun d'entre nous. Elle commémore en fait deux événements. Le 14 juillet 1789, avec la prise de la Bastille, qui marque le début de la Révolution française et symbolise la fin de la monarchie absolue, de la société d'ordre et des privilèges. Le 14 juillet 1790, fête de la Fédération qui célèbre la nation et la Constitution de 1789. Que l'on pense au 14 juillet 1789 ou au 14 juillet 1790, la date du 14 juillet marque l'adhésion de la République aux droits de l'homme et le refus de tous les despotismes.
La chute de la Bastille, c'est la chute de toutes les Bastilles, s'exclame Victor Hugo à l'Assemblée à la veille du vote de la loi. Le 14 juillet marque la fin de tous les esclavages. C'est la fête de toutes les nations. Le 14 juillet 1789, le peuple a montré quels idéaux il voulait suivre, et célébrer le 14 juillet, c'est mettre à l'honneur la République, notre République, avec ses valeurs portées par la Révolution française. La liberté. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tout citoyen français, homme ou femme, peut faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les libertés et les droits fondamentaux sont des piliers importants de la démocratie. Les premiers droits reconnus sont les droits liberté, liberté d'expression, d'opinion, de réunion, d'association. Ils peuvent être individuels ou collectifs et offrent aux individus une certaine autonomie et la possibilité d'agir sans soumission. Ce sont ces droits que reconnaît la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, leur conquête ayant nécessité de longs combats. Parmi eux, les droits politiques, droits de vote et d'éligibilité permettent une participation au pouvoir. Nelson Mandela disait « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » L'égalité. Tous les citoyens ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et sont soumis aux mêmes règles. L'État français ne doit pas créer de discrimination. Au contraire, il doit lutter contre celle-ci. Racisme, sexisme, xénophobie, antisémitisme, et j'en passe. La fraternité, c'est la solidarité entre tous les individus et toutes les générations. Elle ne peut pas être imposée par une loi. Nous avons souvent l'occasion de partager de grands moments de fraternité lors de grands événements sportifs, culturels, économiques ou sociétaux. S'engager dans une association, aider les autres sans rien demander en retour, être à l'écoute, se rendre disponible, apporter un peu de chaleur sans juger, sans critiquer. Nous pouvons tous apporter une pierre à l'édifice. Cette solidarité a trouvé tout son sens lors de la crise sanitaire qui nous a touchés si violemment et qui continue à nous poursuivre. Liberté, égalité, fraternité, cette devise républicaine est celle d'un idéal démocratique qu'il nous appartient à chaque instant d'animer, de défendre et de préserver. Associer, ces trois mots prennent tout leur sens. La liberté sans l'égalité, c'est la loi du plus fort. L'égalité sans la liberté, c'est tout le monde pareil. La liberté et l'égalité sans la fraternité, c'est un pays où chacun ne pense qu'à soi, sans se soucier des autres. Voilà pourquoi cette devise est gravée partout. Pour que chaque Français sache ce qui guide son pays et ce qui doit l'inspirer en tant que citoyen. La République n'est pas seulement un héritage, c'est une dynamique qui vise à abattre ou à limiter les entraves aux libertés individuelles et collectives, à l'égalité devant la loi et à la solidarité des citoyens les uns envers les autres. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Aucune partie du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Le principe d'indivisibilité signifie que toutes les lois s'appliquent sur l'ensemble du territoire, qu'il soit métropolitain ou ultramarin. La France est une république laïque. Elle a pris ses distances avec les religions, sans toutefois les récuser. Elle affirme dans la Constitution respecter toutes les croyances,
mais en les considérant comme relevant de l'intime et du privé. Elle respecte aussi et reconnaît le droit de ne pas croire. La France est une république démocratique, ce qui signifie que le peuple détient le pouvoir, qu'il exerce en désignant des représentants qui détiennent le pouvoir exécutif et législatif. Les citoyens ont le droit de vote et peuvent ainsi élire le président de la République, le conseil municipal, les députés et bien d'autres. La France est une république sociale. Elle doit mettre en œuvre et satisfaire les besoins de la population dans les domaines du logement, de l'emploi, de la santé et de l'éducation. En avril 1792, Condorcet présentait devant l'Assemblée nationale un projet d'instruction nationale basé sur une égalité de fait. Il introduisait son discours en ces termes. « Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs, assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être appelé, de développer tout l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature, et par là, établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi. Tel doit être le premier but d'une instruction nationale. Et sous ce point de vue, elle est pour la puissance publique un devoir de justice. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de ce discours qui est le socle de l'instruction publique puis de l'éducation nationale, nous sommes toujours aujourd'hui porteurs d'espérance pour un monde d'égalité, juste, fraternel, un monde défini dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont nous sommes si fiers. Nous avons tous le devoir d'une société plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de l'autre dans ses différences, plus respectueuse du devenir de la planète. Nous avons tous le devoir d'une société où chacune et chacun trouve sa place dans l'harmonie et la sérénité. Nos actions doivent toujours être guidées par ces valeurs, ne l'oublions pas. N'oublions pas les principes fondamentaux de notre République. Mettons tout en œuvre pour les défendre et les transmettre à nos enfants. Vive la République, vive la France. À mon commandement, garde à vous. Thank you.
Je tiens à remercier Monsieur le député Patrick Hetzel, Madame le maire de Shopperton, Sylvie Reb, Monsieur le maire d'Altwiller, Aimé Schreiner, Monsieur le maire de Bicêtre, Francis Schorum, Monsieur l'adjoint au maire de Harskirchen, Benoît Boyon, la gendarmerie nationale représentée par le lieutenant Cédric Lieb, les sapeurs-pompiers de l'unité territoriale sous la direction du capitaine Florent Val, les jeunes sapeurs-pompiers sous la direction du sergent-chef Michel Wilbert, mes collègues adjoints et membres du conseil municipal, les membres du comité local du souvenir français et leur porte-drapeau, Monsieur Benoît Chezer, les représentants de la communauté éducative, Madame et Messieurs les ministres du culte, la Société philharmonique de Sarre-Union et son président, Monsieur Georges Melchiori, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, notre télévision locale, Monsieur Emmanuel Weber, notre agent de ville, Monsieur Eric Franz, notre chef d'atelier, Monsieur Francis Louis, la régie municipale d'électricité, et vous toutes et vous tous, chers concitoyens, pour votre présence ici aujourd'hui. Je regrette de ne pouvoir vous inviter au traditionnel verre de l'amitié en raison de la pandémie. Elle est encore bien présente, on le sait maintenant. Et donc, ça sera que partie remise, hein, peut-être l'année prochaine. On espère que d'ici là, tout ira mieux. Et je vous souhaite une très belle journée, et ce, malgré le très mauvais temps qui nous est annoncé cet après-midi. Hein. Vraiment, on n'a pas de chance. Voilà. Merci beaucoup. On fait les rangs.